Dispositif sévère dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 est appliqué auprès de la gare routière Maki à Ndoutapenak. À partir de ce jour, des agents de la dite gare routière sont déployés pour surveiller et faire respecter les mesures sanitaires, selon le directeur général de la TT. Les sénateurs, accompagnés de leurs conseillers connaisseurs des problèmes dans les communes, doivent faire une descente dans les communes afin de résoudre les problèmes des maires, selon le président du Sénat, lors de sa rencontre avec l'association des maires d'Antananarivo. 6 écoles primaires publiques dans le district d'Antimjan ont été recensées comme étant dans un état de délabrement, tel qu'une solution s'impose. Pour pallier à ce problème, le district d'Antimjan sera doté de 6 écoles primaires publiques aux normes, notamment pour Mbujunun, qui sera opérationnel d'ici le mois de mars. Et à l'aide de l'actualité internationale, rassemblant enseignants, infirmières scolaires, lycéens et étudiants, des manifestations sont prévues ce mardi à Paris et dans plusieurs villes de France, ainsi qu'un mouvement de grève. Parmi les revendications figure une hausse des salaires des enseignants et le retour des étudiants dans les universités. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. À la une de l'actualité, un nouveau dispositif sévère dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 est appliqué auprès de la gare routière Maki à Ndoutapenak. À partir de ce jour, des robinets suivant les normes sanitaires sont désormais installés sur place. Le tunnel désinfectant ainsi que la prise de température sont aussi de nouveau opérationnels. Des agents de la dite gare routière sont déployés pour surveiller et faire respecter ces mesures sanitaires, d'après la déclaration du DG de l'ATT ce jour. Reportage de Fanjessena Elmanakasn et d'Arfidra Koutmanal. Vu la hausse du nombre de personnes testées positives à la COVID-19 dernièrement, le ministère du Transport avec l'Agence de Transport Terrestre, le ministère de la Population ainsi que les dirigeants de la gare routière de Ndoutapenak ont renforcé les mesures sanitaires dans la dite gare. Des milliers de voyageurs circulent quotidiennement dans la gare routière, d'où le risque élevé de contamination. Outre le port obligatoire de masque, toute personne voulant entrer à la gare doit se laver les mains. Des robinets suivant les normes sanitaires venant du ministère du Transport sont installés ce jour à la gare Maki. Il n'y a plus aucun risque de contamination quant à la manipulation des robinets puisqu'il suffit désormais d'utiliser les pieds pour les actionner selon les explications du DG de l'ATT, le général Jeannot Rerebaké. Après avoir lavé leurs mains, les voyageurs munis de leurs bagages doivent ensuite entrer un par un dans le tunnel de désinfection. Puis des agents de la gare routière prennent en charge la prise de la température. Une fois entré dans la gare, tout le monde doit respecter la distanciation sociale d'un mètre, toujours selon les explications. Les autres agents de la gare sont chargés de jour en jour de surveiller l'application de ces mesures sanitaires. En outre, la désinfection de la gare et des taxis brousses continue toujours le matin comme le soir. Une centaine de personnes par jour débarquent dans la gare routière Maki d'Ndoutapenak. Ces immigrants sont obligés de quitter leur région à cause de la sécheresse. Leur destination est la partie nord où ils vont exploiter de l'or. Mekiran Djemboulaz, Arfitra Koutmanalna. Certaines personnes vivant dans la partie sud de l'île décident actuellement de quitter leur région. La sécheresse en est la raison, d'après leurs explications. Ils n'arrivent plus à survivre dans leur communauté où ils ont été obligés de vendre tous leurs biens. Ils projettent alors de rejoindre le nord pour y exploiter de l'or, sachant que leurs patrons les prendront en charge. En effet, ces derniers ont envoyé à chacun d'eux des frais de déplacement,
comme le cas de ces familles venant des Soanal, par exemple. Ils ont quitté leur région pour vivre ailleurs. Ils ont réitéré que leur terrain n'est plus exploitable. De plus, ils ne possèdent plus de ressources de revenus. Ils ont décidé d'aller vers le nord comme pour atteindre Maïvatanan, Amoudjoumam, Ambilbe ou encore d'autres lieux. Ils vont œuvrer dans l'exploitation de l'or dans cette région. Ils ne veulent plus retourner dans leur territoire d'origine. En somme, la gare routière de Doapenac enregistre une centaine de migrants par jour. Des mesures sanitaires sont donc prises lors de leur passage au niveau de cette gare, notamment leur rassemblant en un lieu spécifique pour se distinguer des autres voyageurs. Par rapport à la situation de crise relative à la flambée du prix du riz actuellement, l'État malgache a opté pour l'importation de riz arrivé dans le mur depuis dimanche dernier. Du côté de l'opposition, des doutes sont émis quant à la qualité de ce riz et son impact sur la santé de la population. Face à cela, le député Nevra Holdin n'a de dire que ces critiques ne sont pas fondées et que ces personnes ne devraient pas distiller de tels doutes auprès de la population. La flambée du prix du riz est toujours d'actualité car aucune baisse n'a encore été constatée sur les marchés jusqu'à présent. La population se plaint du prix exorbitant du kapok. Face à cette situation, l'État malgache a donc fait parvenir dimanche dernier 7000 tonnes de riz importé baptisé Vartins et ce, à travers SPM, State Procurement of Madagascar. Ce riz qui sera envoyé sur les marchés des grandes villes est destiné à servir de tampon entre la période de soudure et les périodes de récolte afin de stabiliser les prix selon les explications. Les membres de l'opposition, quant à eux, ont évoqué le fait que ce riz pourrait être de mauvaise qualité et pourrait ne pas être bon pour la santé de la population. Par rapport à tout cela, le député Nevra Holdin de réagir en qualifiant ces allégations de mensongères. Il a ajouté que l'État malgache fait de son mieux, et c'est son rôle par ailleurs de trouver une solution par rapport à la flambée du prix du riz. En outre, ce problème peut aussi avoir pour origine le fait que les commerçants retiennent leur stock de riz, ce qui devrait alors relever de la responsabilité du ministère du Commerce et non du président de la République d'effectuer des descentes de vérification, toujours selon les explications. Les élus des petites villes des régions espèrent aussi recevoir leur part de ce riz, notamment selon les députés élus à Mitung du Sud et à Swavnadine. Page politique maintenant, les sénateurs accompagnés de leurs conseillers, connaisseurs des problèmes dans les communes, doivent faire une descente auprès de ces communes afin de résoudre le problème des maires, selon le président du Sénat, lors de sa rencontre avec l'association des maires à Antananarivo. De plus, le président de dire qu'il n'accepte plus le népotisme lors de la désignation des conseillers. Des grands travaux seront mis en place dans les communes pendant ce mandat des 18 sénateurs, selon toujours ce président, Zora Bardzon, Herman Anjenavan. Contrairement à l'ancienne mandature, les maires et les sénateurs se rapprocheront de plus en plus pendant le mandat de ces nouveaux sénateurs. Lors de la rencontre de l'association des maires et du président du Sénat, les maires ont précisé que le développement doit se baser sur les collectivités décentralisées. Les actuels sénateurs qui seront accompagnés par des conseillers ayant une appréhension de la situation concrète des communes auront de grandes responsabilités puisqu'ils doivent effectuer plus de descentes dans les communes afin de connaître. Les actuels sénateurs qui seront accompagnés par des conseillers ayant une appréhension de la situation concrète des communes auront de grandes responsabilités puisqu'ils doivent effectuer plus de descentes dans les communes afin de connaître réellement les problèmes sur les lieux. Le président du Sénat de préciser qu'il n'accepte plus le népotisme lors de la nomination des conseillers au sein des sénateurs. Lors de cette rencontre, le président du Sénat de dire que les maires peuvent également attribuer des conseils au gouverneur pour la réhabilitation des infrastructures dans leur commune. Les actuels sénateurs n'ont nullement besoin d'une bonne rémunération ni qu'on leur attribue un grand honneur. D'après toujours le président du Sénat, les grands travaux seront mis en place dans des communes à la fin de leur mandat, a précisé Irman Anarazaf Maïf, président du Sénat, lors de sa rencontre avec l'association des maires à Antananarivo.
Et je vous disais en titre, 6 écoles primaires publiques dans le district d'Atsimjan ont été recensées comme étant dans un état de délabrement, tel qu'une solution s'impose. Ces écoles reçoivent pourtant de nombreux élèves. Pour l'école primaire publique d'Amboui Junoun, dans la commune d'Impanef, l'établissement scolaire ne compte que 2 salles de classe pour plus de 120 élèves. Les cours doivent donc se faire en parallèle pour plusieurs niveaux, notamment en cette période de pluie. Pour pallier ce problème, le district d'Insimjan sera doté de 6 écoles primaires publiques aux normes, notamment pour Amboudounoun, qui sera opérationnel d'ici le mois de mars, d'après le député de cette circonscription. Reportage réalisé par Mamtina Djibloul et Omega Renevzon. Le district d'Insimjan recense le plus grand nombre de populations en Alamang. Les enfants scolarisables sont donc nombreux, notamment dans les communes rurales. Les infrastructures existantes laissent à désirer. De nombreux établissements scolaires publics dans les EPP ne répondent plus aux besoins actuels, précise le député Andratsvaini. Outre l'insuffisance d'infrastructures, nombreux équipements sont également dans un état lamentable. Au total, 6 EPP sont les plus touchés par le délabrement des infrastructures. L'école primaire publique d'Amboui Junoun dans la commune d'Impanef figure parmi ceux-là. L'établissement ne compte que 2 salles de classe, précise la directrice d'école, et ce pour 126 élèves. Les heures de cours sont réduites. Les cours se font même en parallèle pour plusieurs classes. Tous les cours devront se tenir en matinée pour éviter que les élèves ne viennent l'après-midi à l'école en cette période de pluie. Un cas qui n'est pas isolé dans ce district, précise le député d'Atsimjan. Pour pallier ce problème de l'éducation, le district sera doté de 6 écoles primaires publiques aux normes réparties dans 6 communes. Les critères d'attribution sont l'état de délabrement des infrastructures ainsi que l'effectif des élèves. Pour l'EPP d'Amboui Junoun, les travaux seront achevés d'ici mars. Outre la construction des infrastructures, l'EPP sera également doté d'équipements adéquats. Pour ce qui est de la caisse école revendiquée par les enseignants actuellement, le député Andratsvain de préciser que le déblocage des fonds nécessaires pour ce faire est attendu prochainement. Une visite de l'avancement des travaux en cours à Amboui Junoun, à Panif, s'est tenue ce jour. Et maintenant, direction la France pour l'actualité internationale. Rassemblant enseignants, infirmières scolaires, lycéens et étudiants, des manifestations sont prévues ce mardi à Paris et dans plusieurs villes de France, ainsi qu'un mouvement de grève. Parmi les revendications figure une hausse des salaires des enseignants et le retour des étudiants dans les universités. France 24. Un plan d'urgence pour l'école, voilà ce que réclament les syndicats d'enseignants qui souhaitent une forte mobilisation ce mardi 26 janvier. Un mouvement soutenu par 6 organisations syndicales qui appellent à manifester partout en France. Leur revendication principale, de meilleures conditions sanitaires dans les établissements scolaires. Certains enseignants demandent une priorité de vaccination, la mise en place de demi-groupes ou encore un protocole plus exigeant dans les cantines. L'objectif, éviter à tout prix la fermeture des écoles. Elles sont déjà 64 à être fermées pour cause de trop nombreux cas de Covid. Si cela représente moins de 1% de l'ensemble des établissements, c'est tout de même le chiffre le plus haut depuis septembre, un chiffre qui a triplé en une semaine. Autre grande revendication de cette grève, la revalorisation des salaires promise par le gouvernement. Si l'État a déjà débloqué 400 millions d'euros pour les enseignants, c'est insuffisant selon eux. Cette grève devrait être suivie par près d'un tiers des enseignants du primaire. Les étudiants devraient également se joindre au cortège, ainsi que les infirmières scolaires. Et c'est avec ce reportage que nous fermons le rideau de cette version française. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir.